Guitar Song fait partie des trois chansons inédites du Best Of, où il semblerait que vous ayez utilisé un sample de Serge Gainsbourg. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, il y a un sample de Je t'aime moi non plus. Nous sommes fans de Serge Gainsbourg depuis longtemps. En fait, on l'a rencontré en 89, lors de notre premier album. C'était l'occasion d'une émission télévisée où on avait joué une version acoustique du morceau Preview. Et il nous a présenté en tant qu'artiste ayant reçu un disque de platine. C'était plutôt cool. On a eu cette idée de sample pour le morceau Guitar Song car on voulait faire quelque chose de différent. Donc on a rajouté ce sample sur la guitare et la ligne de basse. C'est quand on a fini la chanson qu'on s'est rendu compte de son originalité. C'est une chanson assez atypique et personnellement je trouve qu'elle reflète un peu la façon de travailler de Serge. Il utilisait différents éléments et mélangeait le tout. Dans cette chanson, on trouve ce fameux sample, des rythmes de batterie très modernes et des accords de guitare acoustique. Par moments, elle a également des rythmes très soutenus. But it's also quite hard sounding in places. Pour ce qui est des paroles et de la mélodie, elles s'apparentent beaucoup aux songwriters des années 70. Elle aurait très bien pu être chantée par Carole King ou Neil Diamond. Il y a un peu tout ça derrière. La famille de Serge Gainsbourg nous a permis d'utiliser ce sample et c'était vraiment gentil de leur part. Et moi, dans la célèbre chanson When We Are Together, vous chantez, je fais souvent les mêmes erreurs à mes dépens. Il s'agit là d'amour, j'imagine. Non, vous pensez peut-être que je parle d'amour, mais je parle peut-être d'autre chose. Donc, imaginons que vous parlez d'amour. Comment arrivez-vous à voir quand quelqu'un vous aime vraiment vous et non pas la chanteuse de Texas? J'ai jamais eu ce problème. J'ai eu de la chance, je crois. Et pourquoi dites-vous dans la chanson que vous faites souvent les mêmes erreurs à vos dépens, alors qu'on est censé tirer des leçons de ces erreurs pour ne plus les refaire? Parce que les gens font souvent les mêmes erreurs, mais ils remettent toujours la faute sur quelqu'un d'autre. C'est jamais de leur faute, mais c'est toujours celle des autres. Ils ne se remettent jamais en question, ils ont toujours des bonnes raisons, et c'est jamais de leur faute. C'est ça le véritable sens de cette chanson. C'est « Je suis responsable de mes propres actes ». C'est ça le sens exact des paroles. Mais je veux que mes chansons parlent aux gens de façon personnelle. Que chacun y trouve ce qu'il veut et non pas forcément ce que moi je veux. D'ailleurs, les chansons sont faites pour ça, enfin pour moi. Au cours de l'émission, les téléspectateurs peuvent poser leurs questions. J'en ai choisi trois. La première nous vient de Stéphanie de Nice. OK. Pour que je m'en souvienne. allez. À l'époque de l'album Southside, vous étiez très soucieuse de votre image. Vous ne vouliez pas poser pour des photos glamour, ne pas poser sans votre groupe et pas de photos avec des vêtements trop suggestifs. Ne pensez-vous pas être devenue la chanteuse pop glamour que vous refusiez d'être au départ? Absolument pas. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Quand le groupe a commencé, nous avons signé notre contrat en 86, 87, je crois. À l'époque, il y avait plein de groupes avec un tas de minettes qui chantaient. Moi, c'était pas mon truc. Je jouais de la guitare, j'étais dans un groupe. Et pour ce qui est de l'image et de la musique, c'était nous qui décidions. Et puis un jour, le succès est arrivé avec son lot de pression et d'opinions qui pesaient sur le groupe. Mm-hmm.
Again, we really sort of rebelled. Et une fois de plus, on s'est tous rebellés contre ça. I think people see the image. Maintenant encore, on nous juge sur notre image. Beaucoup de gens disent que Texas est un groupe plus sexy, mais si vous regardez la pochette de l'album White on Blonde, vous ne verrez que mes yeux. Je ne sais pas si beaucoup de gens trouvent ça sexy d'ailleurs. On peut aussi parler de la pochette du single Black Eyed Boy, où je porte une robe rouge avec laquelle j'ai souvent posé pour d'autres photos. La première fois que j'ai vu les négatifs, je me suis dit « Waouh, c'est sexy !» Mais j'étais très contente du résultat, parce que je ne faisais pas étalage de mon corps. De toute façon, je n'ai jamais fait appel à des stylistes. Personne dessine à ma place. Lots of stylists and I don't have like a group of people that decide on my image. You know, it's like when même histoire pour la robe noire que je porte dans mon dernier clip. Je voulais une robe de haute couture. Je savais exactement laquelle et je suis allée l'acheter moi-même. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais exactement ce que je veux. What I want to do, and I think that there's a very big. Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre une ado de 18 ans et une femme de 32. Absolument. And maybe in time. Peut-être qu'avec le temps, les gens me comprendront un peu plus. Maybe a bit more. I don't think in any. Mais vraiment, en aucune façon, je pense que j'ai trahi mon image, et ça, je le pense vraiment. And I feel very happy with. Au contraire, je suis satisfaite de l'image que je donne. Je ne pense pas être une petite pop star superficielle, encore moins un produit de l'industrie du disque. Je suis très en phase avec moi-même. La deuxième question nous vient de Cédric de Paris. Il semblerait que vous avez fait un morceau avec le Wu-Tang Clan que nous n'avons jamais entendu. Où sont les responsables de ma maison de disques? On vous a dit qu'il fallait sortir ce single en France. Yeah. Vu que vous avez sorti trois nouvelles chansons sur ce best-of, comment se fait-il que ce duo avec le Wu-Tang Clan ne figure pas sur le best-of? The Wu-Tang Clan, le Wu-Tang Clan, again. Non, mais c'est un vrai problème. Une fois de plus, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Ce single est sorti dans tous les pays, sauf en France. C'est bizarre, car la rap est énorme ici par rapport aux autres pays européens. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de vous dire réellement pourquoi il n'est jamais sorti en France. C'est une histoire vraiment, vraiment très louche. Pour moi, rap music out of America. Pour moi, le rap américain est le meilleur rap au monde, suivi de près par le rap français. Donc je voulais vraiment que ce duo sorte ici, surtout que le Wu-Tang Clan a beaucoup de succès en France. À l'époque, je me demandais vraiment pourquoi c'était pas possible. Oui, ça m'étonne. Mais peut-être ils le sortiront. Please, s'il vous plaît, sortez ce single avec le Wu-Tang Clan. Okay. Passons maintenant à la troisième question de nos téléspectateurs. C'est au tour de Virginie de Blois qui voudrait savoir si vous avez eu un enfant avec Ali McErlane, le guitariste de Texas. Absolument non, c'est vraiment faux. Primo, je n'ai jamais couché avec des membres du groupe. Comment je veux dire, je m'en sors pas si mal car j'ai jamais eu à coucher avec mes musiciens. I'm quite talented, really. I've never had to have sex with any members of bands to be good. Et la deuxième partie de la question est, Virginie doit être contente. Virginie, you're happy. I hope you're right. J'espère qu'elle l'est. Donc la deuxième partie de la question est. Vous savez, c'est drôle, c'est la troisième fois en deux semaines qu'on me demande si j'ai un enfant. Not someone has said Ali, but it's the third time that someone has asked me in the last couple of weeks if I have a child. C'est bizarre, mais il doit y avoir de la toque sur Internet. Oui, c'est sur le net. But please, je vous en prie, croyez-moi, je jure devant Dieu, je n'ai aucun enfant. J'aimerais en avoir beaucoup, mais j'en ai pas pour le moment. Et tous ces ragots sont archi faux. Voilà, ça c'était la deuxième partie de la question. Ressentez-vous maintenant l'envie de construire une famille? Oui, j'aimerais beaucoup avoir une famille. Mais pour ça, il faudrait que mon copain et moi, on arrive à se rencarder au même endroit à la même heure. J'ai pas encore les pouvoirs de l'Immaculée Conception. Mais le net est vraiment effrayant.
En fait, ça c'est une autre question, mais c'est sérieux pour la prochaine fois. S'il vous plaît, racontez-moi les autres rumeurs. Sur le net, on peut aussi voir des photos de vous où vous posez nu. Vous êtes au courant? Des photos nues de moi? Non, mais évidemment, c'est pas moi. Moi, j'imagine bien. Génial, ça veut dire que je peux les traîner en justice? Oui, absolument. Super, Texas va leur faire un procès. Non, mais vous pouvez les attaquer, oui. C'est vrai, c'est excellent. Cléo! Grim! Trouve-moi un avocat, appelle-le tout de suite. Va avec Internet. C'est vraiment mon corps? Je sais pas, j'ai rien vu. Mais comment on peut en être sûr de toute façon? Si je les voyais, je me dirais non, je suis beaucoup plus grosse que ça en fait. Oh, j'espère que ma doublure a beau corps, ça me ferait plaisir quand même. Mais je n'ai pas voulu voir, j'ai rien vu. Mais ils font ça avec tout le monde. Vraiment? Ouais. Vraiment. Est-ce que je peux les attaquer et reverser l'argent à des associations caritatives? Mais bien sûr. Super, je vais reverser l'argent à une association caritative pour les enfants défavorisés en Écosse et je vais leur faire cracher tout leur fric. Dernière question avant la fin. Ce best-of est le meilleur moyen de faire un bilan de votre carrière. Quel est le moment dont vous êtes le plus fier? Je pense que ce serait le fait que je sois encore là aujourd'hui et ça fait 15 ans que ça dure. C'est ma plus grande fierté et j'en profite pour rendre hommage à mon groupe aussi. Bien. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui dans le mag. Merci. Merci à vous. Would you be able to do an ID? Non, j'ai jamais couché avec Ali. Hein. Terminé déjà le mag avec Texas. Je suis ravie d'être dans l'hôtel Vendôme, Place Vendôme. C'est très beau. Alors, n'oubliez pas que pour les futurs artistes, vous aussi, vous pouvez poser des questions, soit par Minitel, 3615, code LCM, soit par téléphone, le 08 36 68 22 66, soit par l'internet, mcm.net. Je vous dis à bientôt. Bye.